contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul et unboxing. Ça faisait quand même longtemps, je trouve. Je n'ai pas trop craqué, mais j'ai quand même trouvé des petites pépites. Je suis allée, j'ai fait les dernières soldes chez Sephora. J'ai aussi commandé sur le site de ma copine Ella. Vous savez, Ella, rayon de soleil, je vous en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Et elle a sorti son e-shop. Du coup, je lui ai fait évidemment une petite commande, j'étais obligée. Et comme ça, c'était l'occasion de vous en parler sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mais aussi de vous en parler ici sur YouTube et de vous montrer vraiment en détail ma petite commande. J'ai aussi reçu la box, la Blissim et une box Nouveau Box que je n'attendais pas. J'ai eu un petit cadeau de chez Primark de ma copine Laetitia, vous savez, dans les baskets de la maîtresse. Du coup, je voulais vous le montrer ici parce que je suis trop contente. Je suis passée aussi chez No, chez Action. Bref, je crois que je n'oublie rien. Je vous montre tout ça. Je vais commencer par, entre guillemets, le moins peut-être intéressant pour vous. Mais il y a une marque Amazon qui m'a contactée pour me faire découvrir les piles rechargeables. Alors, je vous avoue que avant d'avoir des enfants, j'avais des piles rechargeables chez moi. Et je les utilisais régulièrement. Mais je trouvais que ça tenait pas beaucoup la batterie et tout ça. J'étais pas hyper convaincue. Et du coup, quand la marque, là, m'a proposé de m'en envoyer des nouvelles, je me suis dit peut-être que maintenant, c'est un peu mieux, que ça fonctionne mieux. Et puis, je vous avoue qu'avec mes 3 enfants, les piles, ça va vite. Surtout dans les veilleuses, des choses comme ça. Donc, histoire d'être un peu plus écolo et de faire un tout petit peu plus attention à la planète en n'achetant pas 500 milliards de piles, je me suis dit que j'allais tester. Donc, ils m'ont envoyé ça. Donc, ça vient d'Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et donc, vous avez le bloc pour les piles, pour les charger. Et puis, vous avez les piles. Alors, j'ai pas encore testé. Donc, évidemment, je vous en parlerai sur Instagram comme d'habitude. En plus, il y a les 2 formats de piles. Donc, on a 4... pile AA, vous savez, le format plus traditionnel hein, qu'on connaît tous. Et après, 4 plus petites. Vous savez, les toutes petites, un peu style pile télécommande. On a le bloc. Bah, écoutez, je suis assez étonnée. J'ai juste d'ouvrir ça avec vous. Et je suis assez étonnée. Je voyais ça tellement avant, dans mes souvenirs. C'était gros, c'était imposant. Donc bon, là, on n'a pas de prise qui va dans le secteur. Mais vous avez la fameuse prise USB comme ça pour recharger vos piles. Et ainsi, bah, les recharger. Voilà comment ça se présente et c'est un adaptateur qui permet de mettre des grandes piles et des petites piles. Je pense que vous pouvez acheter sur Amazon évidemment plus de piles si vous en voulez beaucoup plus. Parce que par exemple si celle-ci elle charge, vous avez peut-être envie d'en avoir d'autres en stock. Si ça fonctionne bien, honnêtement je rachèterai les piles parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant. Je vous ai pas dit la marque, c'est EBL, le Smart Quick Universal Charger. Et vous avez bah, tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se lancer. Donc ça c'était pas un achat, c'était une collab. Mais je suis contente de l'avoir reçu parce que vraiment ça va être utile avec mes enfants. Je vais pas vous mentir. Je commence par le colis le plus ancien qui est le colis Sephora. En fait les dernières heures de solde, genre à la dernière minute avant que les soldes s'arrêtent, j'ai fait une dernière commande avec des petites choses qui m'intéressaient. Donc c'était plutôt bien protégé. Vous voyez, hein, je vous ai pas menti, c'est vraiment, j'ai même pas ouvert. J'ai juste vérifié si ma palette n'était pas cassée. Et après j'ai tout remis et j'ai plus rien touché. Avec les dernières soldes, il y avait moins 70% sur des coffrets. Et du coup, il y avait sur ces coffrets-là l'offre de moins 30% supplémentaire, enfin moins 20% supplémentaire des 3 achats faits. Écoutez, ça a fonctionné sur ces petites choses-là. Donc j'en ai profité. J'ai pris des petits lots comme ça parce que moi j'aime beaucoup acheter ces genres de petits lots pour offrir. D'ailleurs, moi j'aime bien aussi me les garder pour moi, mais là j'ai acheté principalement pour offrir. Ce sont des petites trousses de toilette et je me dis que pour la fin d'année, juste avant juillet-août, dans un petit coffret cadeau que je fais aux maîtresses, je mets ça et d'autres petites choses. Voilà, ça fait toujours plaisir et je la trouve canon. Donc il y a la petite trousse qui est Within You. Il y a bain douche moussant à l'intérieur du lait hydratant et la petite mousse de douche. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Donc au niveau des coffrets, c'était vraiment pas cher, à moins 70 et avec moins 20% supplémentaire. J'ai pris ce coffret là aussi qui était à moins 70%. Je me suis pareil dans les offres pas chères, cadeaux avant. Voilà, pour... j'ai plein de cadeaux à faire en fin d'année pour les maîtresses et tout ça, donc je prends en réserve dès maintenant et surtout à moins 70%, ça vaut le coup. Là c'est un pied ambiance Noël, du coup celui-ci peut-être que je garderai pour Noël de l'année prochaine pour offrir pareil aux futures maîtresses, etc. Vous voyez, je prévois en avance. Et là, dans ce coffret-là, vous avez quand même une gamme aux fleurs de coton de chez Sephora. Avec le petit truc là pour masser à la base de jade. Là. Le mini rouleau pour le visage rincé. Il y a même la petite brume parfumée. Honnêtement, j'aurais pu me le prendre pour moi. Parce que je trouve que le petit kit, il est vraiment canon. Ça, c'est vraiment une idée cadeau parfaite, utile, je trouve. Dans mes idées cadeaux, la même chose. À moins 70%, j'ai pris cela. Donc avec version mon œil, parce que je me suis dit que bah, pareil...
Monoï, mango, tout ça pour l'été, ça va être très très bien comme petite idée cadeau. Donc je crois que c'était autour de 3-4 euros hein. Il y a un masque main au mango, on a une crème main au monoï, et puis on a une petite chaufferette comme ça pour chauffer les mains. Donc j'en ai pris deux coffrets comme ça. Toujours pour offrir, j'ai pris un coffret Rituals comme ça. J'aime énormément cette gamme, la Rituals of Sakura. Je crois qu'il m'est revenu à 14 euros, 13 euros, je ne sais plus, mais ça valait le coup quand même. Et à l'intérieur, on a quand même toute la gamme avec le lait, le gel douche, la mousse de douche, on a quoi, le body scrub et un petit spray, la petite brume. Donc pareil, encore une fois, un coffret assez canon. Et pour finir, j'ai pris une sorte de trousse comme ça, donc je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais c'est toute la gamme, encore une fois, au Cherry Blossom, donc aux fleurs de cerisier. Pareil pour des cadeaux, il y a le gel douche, la crème main, le lait corps, le bain douche moussant et l'huile de douche. Tout ça dans une trousse toute dorée, toute mignonne. J'ai eu un échantillon, trois petits échantillons comme ça, Sakura. Et moi, je me suis pris pour moi, toujours avec les moins... Alors là, c'était moins... 30 je crois, moins 50 et moins 20% supplémentaire. J'ai pris deux produits de la gamme de chez Pat McGrath et Bridgerton. J'avais pas envie de craquer pour cette gamme là, mais en fait là avec la réduction il me revenait quasi à plus de moins 60% je crois en tout. Donc j'ai pris la palette teint qui il paraît est très belle. Donc je vous montre la palette hein, qui est très Bridgerton, hein, vous le voyez. Et on a à l'intérieur un highlighter et deux blushs. Écoutez, j'en ai déjà une dans ce style-là que j'aime énormément. Du coup, bah, étant donné que celle que j'ai, je l'apprécie particulièrement, je me suis dit, je vais me prendre une autre. Et j'avais envie de me prendre un petit rouge à lèvres de cette gamme-là. Pareil, avec quasi moins 60%. Ça valait vraiment encore plus le coup que sur le site Pat McGrath. D'habitude, j'achète sur Pat McGrath. Mais là, avec les promos et tout, ça valait le coup. Et il est comme ça. Regardez-moi comme il est trop beau. Donc, il y a... un petit portrait dessus, je sais pas si vous voyez. Et on a derrière la notation Pat McGrath X Bridgerton. Il est magnifique. Et c'est la teinte. Alors attendez, je vous dis pas. En plus, même en dessous, c'est écrit Netflix. La Divine Indiscretion 483. Avant de swatcher, je préfère vérifier parce qu'on ne sait jamais. Si ça se trouve, c'est une couleur que j'ai déjà, mais qu'ils ont juste repackagé. On ne sait jamais avec moi. Comme j'achète quand même pas mal. Mais c'est un beau nude rosé qui a l'air magnifique. Je vais vérifier si je ne l'ai pas. Et puis, je vais m'empresser de les utiliser. Et avec toute ma commande, je crois que ça dépassait 80 euros. Il y avait une boîte cadeau. Donc, je n'ai même pas vérifié ce qu'il y avait dedans encore. Elle est toute neuve, elle n'est même pas ouverte, hein, je vous jure. Et hop, dans cette boîte cadeau, bah, je me souviens qu'il y avait une miniature de parfum qui m'intéressait. Ouais. Et après, je ne sais plus. Donc, on a la miniature de parfum Carolina Herrera, comme ça, la version blush. Je suis trop contente de l'avoir en miniature. Ça, c'est j'aime bien quand il y a une miniature comme ça. Donc, c'est les fameux parfums comme ça. Et on va tester tout de suite parce que j'en ai entendu que du bien. Ah ouais. Bah, elle ressemble à la... Ah ouais, j'aime bien. Oh, il a un petit truc en plus, effectivement. Ah ouais, j'aime trop. Bon, bah, elle est sur ma wishlist. Hein. Il est trop canon. Regardez-moi ça. Trop canon. Oh, j'adore l'odeur. Je pourrais pas vous dire, mais il ressemble au Carolina Herrera basique, mais avec un truc en plus. Qui est vraiment canon. On a à l'intérieur un mini gloss Fenty, un gloss bomb Fenty. Ça, c'est cool en mini comme ça. C'est quand même un petit format, mais qui est pas mal du tout. Je pense que c'est la teinte assez basique, la 01 Fenty Glow. On a une... le baume d'Emma Client Clinique. Ça, c'est cool. Une crème désaltérante Clarins. Donc, ça, encore une fois, c'est cool. Et un petit fard à joues blush de chez Nars. Et c'est le fameux orgasme. Donc ça, je vous glisserai dans un concours parce que je l'ai déjà en miniature aussi. Mais alors là, c'est vraiment une toute petite miniature. Hein. La petite. Mais regardez. Mais c'est une très belle couleur. Donc ça, pareil, je vais vous le garder. Et ça fera plaisir à quelqu'un. Mais c'était quand même une petite box pas de ouf. Hein, mais pour 80 euros, c'était cool d'avoir des petits cadeaux en plus. J'ai craqué chez Lush. Je vous l'avais dit dans mon vlog à Paris. Je vous mets la petite vidéo ici si vous n'avez pas vu mon vlog à Paris. J'ai craqué chez Lush. Et j'ai pris la crème pour le corps Sleepy. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Je vous la remettrai ici aussi dans l'opti si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait énormément de tri. J'ai mis beaucoup de flops dans ma vidéo. Mais j'ai mis aussi quelques favoris dont cette crème-là. Donc c'est la crème corps à base de lavande.
Et honnêtement, ça sent la lavande. Moi, je n'aime pas du tout l'odeur de la lavande, mais dans cette crème, ça passe parce que la dame de Lush m'a dit qu'il y avait de la fève de tonka, je crois. En tout cas, un peu un côté cacao qui faisait que c'était beaucoup plus doux. Et alors, j'adore la mettre la nuit, le soir, avant de dormir, après ma douche. Et je sais pas, ça a un effet sur moi un peu endormissant, ça me calme, j'adore. Et comme j'utilise très très vite et que c'est une crème qui coûte cher quand même, j'ai pris la barre de massage Sleep. Donc c'est exactement la même odeur. Et alors je vais vous la montrer quand même parce que de toute façon je vais l'utiliser. Du coup celle-ci elle pourra se consommer un petit peu moins vite que la crème. Et vous la chauffez hein, tout simplement sur votre corps et ça fera l'effet hydratant avec toujours cette petite odeur très sympa. Et on a en plus un échantillon du gel douche de la gamme Sleepy. Je sais pas ce que ça vaut mais c'est un échantillon gratuit donc comme ça je vais pouvoir tester. Chez ma copine Ella, c'était super bien emballé, c'était hyper bien protégé, tout dans des couleurs un petit peu comme ça orangées. Donc j'ai ma petite facture, elle m'a mis sa petite carte, hein, je vous montre, hop sa petite carte avec un petit thank you, un petit mot doux, merci Karine pour ta commande. Donc voilà, c'est tout fait main, tout personnalisé. Et elle a mis en cadeau avec ma commande du sel de bain, vous voyez avec le petit soleil, ben, c'est notre petit soleil à notre là. En plus c'est une quantité assez importante, j'aime pas trop l'odeur je vous avoue, mais je vais le donner à ma fille, je pense qu'elle sera contente de faire son bain avec. Mais moi j'utilise pas spécialement les sels de bain, mais je trouve que c'est l'attention, je vais y arriver, l'attention est bonne. Donc ça fait toujours plaisir quand on fait une commande d'avoir un petit cadeau, donc là ça servira en l'occurrence à ma fille. Je lui ai pris une petite blender, comme ça c'est le Beauty Blender Bombshell. Donc c'est des marques souvent que vous trouvez pas forcément partout. Là c'est la marque B Bloomshell. J'ai regardé un peu, je sais pas du tout où ça se trouve, je sais pas où elle a eu ça. Je pense aux États-Unis, ou elle cherche un peu les marques qu'on trouve pas forcément partout, qui sont pas forcément trouvables facilement chez Sephora et tout ça, donc c'est cool. Écoutez, le packaging m'a appelé, ce côté un peu rose, violine, je sais pas, ça m'a donné envie. Elle m'a mis dans un petit pochon comme ça en organza un blush de chez Moira. J'aime beaucoup la marque Moira. D'ailleurs, j'attends un gros colis demain. J'ai fait une super affaire, mais je pourrais pas vous le montrer là parce que je les reçois demain. Et en plus de ça, je crois que le site ne sera plus dispo au moment où vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas. Je crois qu'il ferme. C'est un site qui ferme. Et j'ai acheté des produits Moira à moins 50%. Je vous mettrai le nom du site ici si vous voulez voir. Je vous montrerai sur Instagram, je pense, ma commande où je vous ferai une autre vidéo. Mais là, je suis deg. Je l'ai pas encore reçue. Je voulais la recevoir pour cette vidéo. Bref. Il n'y avait pas cette collection là parce que ça c'est une nouvelle collection de chez Moira, mais toutes les anciennes collections étaient à moins 50%. Donc là c'est un blush crème, le Love Hearts Cream Blush. J'ai pris la teinte 08 Trust You, ouais. Et honnêtement j'avoue que j'aurais préféré qu'il soit en cœur. Ouais, le packaging est trop canon. Après on est un peu déçu en voyant le format, mais bon, le packaging est quand même assez solide hein, c'est pas cheap. Et voici la teinte, c'est un blush crème. Alors moi je suis pas une grande fan des blush crème, mais je m'y mets de plus en plus. Et là je vous avoue que la teinte, elle me fait vraiment envie. Je pense vous faire une vidéo make-up blabla sur la marque Moira, parce que je vais avoir pas mal de produits. Et je pourrais tester celui-ci à ce moment-là. Et puis sur le site de ma copine Ella, il y avait plein de marques. Il y avait la marque Moira en palette, mais il y avait aussi la marque Cara Beauty. Alors j'en ai énormément entendu parler ces derniers temps, mais je n'avais pas craqué. Du coup là, j'aime pas du tout le packaging, je vous le dis tout de suite, je trouve que c'est trop criard, mais ça va dans la collection de Ella, hein. C'était dans les mêmes teintes que l'intérieur, et il y avait plein de palettes qui me faisaient envie, mais j'ai choisi une palette un peu nude, parce que j'étais sûre de l'utiliser. Il y avait une palette aussi rose de la collection Cara Beauty qui me donnait bien envie, elle était vraiment canon au niveau des couleurs et tout, là ça me plaisait. Mais bon, donc là c'est la Flower Power et c'est des couleurs voilà nude, un peu orangé, marronné, cuivré un petit peu. Vous avez des lumineux qui ont l'air canon. Là il y a un peu de vert aussi. Celui-ci je sais pas si vous verrez mais il est un petit peu vert. Donc écoutez, c'est un peu plus dans mes couleurs. Du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais prendre un truc un peu nude pour tester la marque Cara Beauty. Et si ça me plaît, bah, j'achèterai sûrement d'autres palettes. En tout cas, je suis pas vraiment fan du packaging. Mais sur le site de ma petite Ella Rayon de Soleil, donc c'est Ella Beauty and More, je crois, si je me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Il y a plein de choix, plein de palettes, du petit prix, du un petit peu plus cher. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur sur son site. Donc j'ai hâte de tester ça. Merci encore ma petite Ella pour ce soin que tu as apporté à cette commande et vraiment longue vie à son site. Je suis trop contente qu'elle se soit lancée et qu'elle ait osé voilà, se lancer dans une nouvelle aventure. C'est trop trop cool.
On va passer à... On va rester un peu dans le make-up quand même. Mais là, avant de passer à nos et actions, je vais finir nos et actions, je pense, pour la fin. Comme ça, ça sera mieux. J'ai reçu un énorme colis de la marque Blue Sky. Blue Sky, qui est une marque de nail. Alors là, vous voyez, j'ai rien sur mes ongles. J'ai tout enlevé pour pouvoir justement tester cette marque-là. Pareil, je vous en parlerai sur Instagram. Je vous montrerai un peu le résultat sur Instagram. Mais ça me donnait grave envie. La marque m'a envoyé un coffret pour débuter. Alors... j'ai déjà tout le matériel, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et puis moi, j'ai rajouté à l'intérieur tous les vernis qui m'ont... je vous avoue qu'ils m'ont pourrégaté en vernis semi-permanent. Donc voici un peu le style de coffret que c'est. Donc ça, c'est le coffret débutant. À l'intérieur, vous avez la lampe UV qui est vraiment pas mal. Honnêtement, elle est vraiment plutôt pas mal. Il y a vraiment beaucoup de lampes. Elle est super quali et vous avez 30 et 60 secondes avec évidemment le fil pour la brancher. Donc dans le coffret il y a ça, vous avez les petites limes pour préparer ses ongles, des petites lingettes pour nettoyer l'ongle comme ceci, touc, pour nettoyer les ongles avant et après. Et vous avez ensuite base coat, top coat, un vernis noir, un vernis rose et un vernis rouge. Ça c'est un peu en mode votre basique, j'essaie de vous montrer. Vous voyez là, est-ce que ça marche? Là, vous avez les 5 vernis qui sont enclenchés à l'intérieur. Je trouve que ça, bien fait. Les vernis sont très beaux. Ça reste des vernis semi-permanents. Hop. Donc, ils sont plutôt classe. Et alors, j'ai adoré un truc. Je vais vous montrer. Vous allez être, je pense... je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais vous allez être choqués. J'ai adoré un truc, c'est que sur le dessus du vernis, vous avez les couleurs. Et ça, c'est la révolution. Moi, j'ai plein de vernis semi-permanents et je n'ai jamais eu ça de ma vie. Donc vous avez vraiment un embout comme ça qui vous permet de montrer les couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Et en dessous les noms. Donc là par exemple vous avez le Pink Gold. Et vous voyez l'embout ici? Donc ça permet de mettre dans un tiroir et quand vous ouvrez, vous avez vos couleurs. Là on a le Magnetic Holo. Le Magnetic Holo, donc il y a des choses un peu holographiques, tout ça. On a ici le... Blinkfold et le dernier c'est le Dancing Dahlia. Ça me paraît pas mal prometteur, donc la texture est assez pâteuse, mais je sais pas, je le sens bien, je le sens bien, donc je vais les tester très vite. Et là j'en ai deux autres encore, qui est le Studio White, donc un blanc, et le Holiday Money. Ça se présentait à chaque fois dans une petite boîte comme ça, rouge, avec des fleurs, là, une espèce de fleur. La marque Blue Sky, et à chaque fois il y avait les références derrière. Donc du coup j'ai un paquet de petites boîtes. Je vous en montre encore quatre autres, comme ça vous avez un aperçu des couleurs. Donc celui-ci c'est une sorte de cat eyes, il s'appelle le Celebrate. Le violine là c'est le Wisteria Whisper. Le vert il s'appelle Lily Pad. Et le dernier le Silver Rally. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent comme ça. Ne me jugez pas. J'ai l'impression qu'il y en a certains que j'ai en double. De toute façon si c'est le cas je vous les garderai. Hein. Mais les trois derniers, donc il y a un rouge, un bleu et un espèce de holographique encore une fois. Donc on va commencer par le rouge, c'est le Pretty Peony, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, non? Le Bluebell Breeze, le bleu, et le dernier, le Luxury Jean, qui est canon avec des espèces de reflets là. Donc je vous ai tout ouvert et évidemment je vous montrerai ça sur Instagram parce que j'aime beaucoup partager mes manicures sur Instagram. Et là bah, je vais m'en faire une assez simple parce que j'ai pas les ongles très longs. Mais je vais voir ce que je vais faire avec tout ça, j'ai trop hâte. On va vite ouvrir la Blissim qui se présente comme ceci. Donc évidemment c'était pour le mois de février, donc à Saint-Valentin. Elle s'appelle la Love Story. J'ai mis du temps à vous l'ouvrir, je suis deg. On a un cadeau entre Blissim et Lalalab pour faire un petit album, un petit 20 tirages. Donc je vais garder mon code promo et je vais l'utiliser je pense parce que ça m'intéresse. À l'intérieur elle est trop cute, regardez, il y avait des trucs assez sympas. On a des petits patchs comme ça que vous mettez au frigo et après vous pouvez poser en dessous l'œil, qui sont tout mignons, tout roses avec des petites paillettes, trop mignons, j'adore. On a la petite brume de chez Sakura, vous avez vu tout à l'heure qu'elle était dans mon coffret. Donc la petite brume Ritual of Sakura qui permet de mettre dans les cheveux, sur le corps, où vous voulez. Donc ça je suis trop contente, évidemment je vais la garder. On a un petit spray pour les cheveux Brazilian Keratin Smoothing, un spray protecteur de chaleur. Donc ça j'en ai pas forcément l'utilité parce que j'utilise très peu les plaques ou le sèche-cheveux sur mes cheveux, mais c'est dans l'idée c'est sympa, donc sinon je vous le garderai pour vous. On a une crème désaltérante de la marque Slave, je sais pas trop comment ça se prononce, mais ça c'est bon,
C'est pas ce que je préfère, les crèmes hydratantes comme ça. On a un déodorant Respire et en ce moment je les adore. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Donc là c'est une couleur que je connais pas, donc à la pêche blanche. Mais c'est un petit format et moi ça je les emmène dans ma trousse de toilette pour les vacances, pour tout ça, c'est cool. Donc je suis trop contente. Et pour finir, le dernier produit qui est dans la Blissim, c'est un crayon pour les lèvres, je crois, qui s'appelle le Yolène. Et il est canon. Hop, le voici, c'est vraiment une jolie teinte nude comme ça, Yolène. Ça me plaît pas, ça me plaît bien, je vais y arriver. Vous pouvez, voilà, crayonner vos lèvres, le laisser comme ça, rajouter un gloss par-dessus, voilà, faites ce que vous voulez. Moi ça me plaît ça, j'aime bien la teinte. Chez Nuo, j'ai reçu une petite box qui, pareil, sous le signe de l'amour, J'ai changé la luminosité, j'espère que ce sera mieux parce que tout à l'heure c'était pas terrible. Du coup on a le petit carnet comme ça, pépite, où à l'intérieur il parle des petites nouveautés que vous trouvez sur le site Nuo. Et du coup moi ça me permet de découvrir leurs nouveautés. On a une petite carte postale comme ça avec self love. On a un petit ticket d'or. J'ai remporté 10€ sur le site Nuo, donc ça je suis contente, je vais l'utiliser aussi. Parce que j'aime bien acheter mes produits pour mes boucles là-bas. D'ailleurs j'ai bien envie de tester leur nouveau gel qu'ils ont sorti de la marque Nuo pour les boucles. On a à l'intérieur un lubrifiant naturel à base d'eau de la marque My Lubic au calendula et à la vitamine E. Donc il se présente comme ceci. Ça, je sais que c'est une marque qui est hyper tendance en ce moment parce qu'ils font des partenariats à gogo. Donc je pense que c'est pour ça qu'on la retrouve dans la box. On a ensuite le velours d'un roi massage fruité, moment hors du temps de la marque Mira. Donc ça, ça va être cool pour faire des petits massages en amoureux, je pense. Donc ils ont tout prévu. Un petit crayon pour les lèvres de la marque All Tiger. Ça, c'est cool. C'est la teinte Coral 324. Elle se présente comme ceci. Et c'est vraiment, encore une fois, un nude un peu rose, mais métallisé. Il est magnifique, d'ailleurs, là. Ah non, elle est pas rose. Il est... Ah ouais, là, vous voyez bien. Une sorte de corail métallisé. Ah bah ça, je sais pas ce que ça va rendre sur mes lèvres, mais ça m'intrigue. En tout cas, il est très crémeux. Il s'est mis en 2 secondes. Et pour finir, on a un baume réconfort anti-stress. I'm a survivor. Un peu le baume qui réconforte le corps et l'esprit. Appliqué sur les points chauds, poignets, plexus. C'est un véritable allié anti-stress conçu pour calmer les angoisses et libérer l'esprit. Ah oui, vous mettez genre ici. Et comme ça, l'odeur peut-être vous apaise. Ça sent fort, dis donc, ça sent un peu le truc avec des plantes. Voilà pour la petite box. Je ne sais pas si c'était la box du mois de février, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je suis assez contente. C'est pas une box hyper remplie, mais on a quand même les 10€ de réduction sur le site, donc ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de vous faire un swatch avant de vous sortir cette petite merveille que ma copine Laetitia m'a offert. Donc elle a été chez Primark, enfin bref, c'était tout un micmac. Mais on a croisé Manon, une maîtresse, elle est venue dans le Nord et on a passé une journée avec elle. Laetitia a flashé sur son pull. Moi j'avais vu les chemises de nuit chez Primark de cette gamme là, mais j'ai pas vu les pulls. Donc il y a une gamme Kissaring à Primark. Kissaring, c'est un artiste qui fait ce style de motifs, vous voyez, avec tous ces petits personnages. Et ils ont plein de pulls différents avec des motifs différents. Il y avait le pull blanc avec tous les motifs vraiment très remplis comme ça. Et là, elle m'a trouvé Laetitia avec ma copine Tiff. Elles m'ont trouvé celui-ci. Laetitia, elle l'a en blanc et elle l'a en version rose, mais c'est pas le même motif devant. Et du coup, elle m'a pris celui-ci. Alors sachez qu'ils taillent très très grand, mais ils sont trop canons. Je vais le mettre pour l'école, je pense, lundi pour la reprise. Mais il est trop beau. Un peu, donnez-vous tous de l'amour et tout. Et Kissaring, c'est un artiste que j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Merci Laetitia, si tu passes par ici. On va passer à Nose. J'ai acheté quelques petites merveilles à Nose. J'ai pensé à ma classe en premier. J'ai pris un puzzle comme ça. Alors, soit pour ma classe, soit pour mes enfants. En tout cas, c'est un puzzle Harry Potter, mais version Noël. Donc, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et il m'a coûté 6€. Hein, 5,99€ pour un grand puzzle. Il y en avait d'autres encore plus grands, avec même le sapin de Noël et tout. Mais j'ai pas pris. J'ai pris celui qui est en rond. Je me suis dit que c'était sympa en rond, que ça allait changer un petit peu. Et il se présente comme ceci. Toujours dans la gamme Noël, il y avait des calendriers de l'Avent chocolat à pas cher du tout. Moi, j'ai pris celui-ci qui était à 3,20€. Ouais, 3,29€ de Lindt comme ça. Qui propose des chocolats, hop, je vous montre ici, dans ce style-là. Donc, ils sont tous emballés. Il y en avait d'autres, mais qui étaient un peu plus chers. Je me suis dit peut-être qu'en mars, je me ferai un kiff tous les soirs en mode Noël, en attendant le 25 mars. Je sais pas si c'est une date importante, mais il y a l'anniversaire de mon mari avant. C'est peut-être, on va se dire que c'est ça. Mais en tout cas,
en marge, je pense que je me ferai un petit kiff avec les calendriers de l'Avent à grignoter. Pour mon fils, je lui ai pris ce livre-là qui est Farm Maz Adventure. Et alors, j'ai bien aimé, c'est que en fait, il y a un espèce de petit animal là. Hop, je sais pas si vous voyez. Là, c'est une petite poule et vous pouvez lui faire son petit chemin. Et il y a une histoire qui est toute en anglais. Et en fait, elle va passer dans l'autre page. Paf, ici, elle passe de l'autre côté. Et quand vous ouvrez, parce que je vais y arriver avec une main. Ah oui, hop. Quand vous ouvrez, elle est là, la petite poule. Et puis après, vous racontez l'histoire et elle fait son petit chemin. Vous voyez? Et donc, l'histoire est toute en anglais et je trouve ça trop cool. Mon mari, il est plutôt fort en anglais. Du coup, ça va pouvoir lui permettre de travailler avec le vocabulaire comme ça de la ferme avec mon fils, enfin avec mes enfants. Et puis, le fait que ce soit manipulable et tout, je trouvais cool. Et il était à 3,99€. Il y en avait un autre avec une licorne qui était pas mal, mais bon, j'ai pris que celui-ci. Pour mon garçon, je lui ai pris celui-ci, donc le grand Oran, une espèce de petite voiture comme ça à fabriquer style Lego. Donc c'est pour 6 ans et plus, mais je pense qu'on le fera ensemble, je vais voir si je le fais avec lui ou si je le trouvais très sympa, ou je le garderai peut-être pour son anniversaire, je verrai. En tout cas, c'est un petit gadget et ça c'était 4,50€. Pour ma classe, j'ai trouvé ça, mais il faut que j'aille acheter chez Action des petites boîtes pour les ranger. Des casse-têtes et je voulais les mettre ensuite dans les petites boîtes, vous savez, que vous ouvrez et mettre des pastilles de couleur dessus pour justement pour pas qu'ils les mélangent. Et le but, vous avez les réponses d'ailleurs derrière, le but c'est de les décrocher, hein, vous savez, ces deux petites pièces emmêlées et il faut les se casser la tête pour les décrocher et arriver à avoir les deux pièces séparées. Et ils ont l'air pas mal du tout, assez casse-têtes, hein, c'est le but, hein. 1,99€ le lot de 8 et j'en ai pris 2, parce qu'il y en a des différents. Et je vais bien garder précieusement les réponses parce que ça va me permettre aussi de les remettre quand mes élèves vont réussir à les enlever. Sinon, je vais me casser la tête aussi. En gourmandise, j'ai trouvé des M&M's mais le paquet est déjà en bas. J'ai trouvé des Skittles version smoothie à 63 centimes comme ça. Ils sont bons mais c'est pas les meilleurs. Je préfère les Skittles traditionnels. Et j'ai trouvé des granolas comme ça, extra cookies, choco. Qui ont l'air ma foi pas mal et je ne sais plus le prix puisqu'il n'a pas d'étiquette. Chez Action, les jeux de l'été sont arrivés. J'ai pris les espèces de trucs comme ça. Ça vous rappelle pas votre enfance, ces trucs-là? Vous savez, là, je sais pas, une sorte d'assiette, on met sa main et on doit rattraper la balle qui se scratch. Donc j'en ai pris deux lots comme ça. Mes enfants, ils sont trois. On pourra jouer avec eux, ils pourront jouer ensemble. Donc deux lots de d'espèces de balles raquettes, je sais pas comment ça s'appelle. Et dans les jeux d'extérieur, j'ai pris ça aussi. C'était à 3,99€, je crois. Des anneaux. Et vous pouvez faire des sortes de marelles. Vous pouvez les accrocher. En fait, à l'intérieur, vous avez les petites accroches bleues, là, qui permettent de les accrocher ensemble. C'est un petit lot de 10 anneaux. Et même pour une école, tout ça, c'est pas cher. Et honnêtement, ça va. Hein. C'est pas de la qualité de fou, mais ça va. Ça va. Ça va faire l'affaire. Donc, j'ai pris pour mes enfants, pareil, pour jouer dans la cour, faire des parcours et tout. On aime bien ça quand il fait beau. Avec mes enfants, on adore ces trucs-là. Alors, c'est vraiment pas terrible au niveau qualité, mais on adore les Cheetos comme ça, au fromage. Plein de colorants et tout ça, mais on aime beaucoup le goût. Ma fille, elle s'est pris pour jouer dehors des petits trucs comme ça, là. Vous savez, les fameux élastiques à 99 centimes. Donc, ça, je vais voir si elle a le droit à l'école et elle les emmènera. On a pris aussi des popcorn parce que ma fille, elle en voulait avec mon petit frère pour pouvoir en grignoter. Donc, ils ont déjà ouvert un paquet aujourd'hui. Et mon petit frère adore cette crème-là de chez Nose, de chez Action, pardon. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester parce que ça lui fait quand même des jolies boucles. Il a aussi, lui, des bouclettes, mais sur le dessus. Hein. Je vous mets du coup, bah, il aime bien ça. Il y a aussi le spray de cette gamme-là, Curl. Et le spray, il m'a dit qu'il était bien, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, à l'occasion, si je le trouve, je l'utiliserai aussi. Mais écoutez, pourquoi pas tester? Si je suis pas fan, je reviendrai à ma routine, évidemment, les secrets de Loli, mais de temps en temps, pour remettre un petit coup, pourquoi pas. Là, c'est le cœur, la crème définissante. Hein. J'ai pas vu de gel. Et lui, le spray, je pense que c'est un spray un peu avec du lait, vous savez, à l'intérieur, qui va redéfinir aussi vos boucles. J'ai pris un paquet comme ça de bonbons. Nous, on adore ces bonbons-là. Chez Action, ils valent rien du tout. Donc, on en a repris un paquet. Dans le rayon un peu enfant, j'ai pris pour mon fils et ma fille ce truc-là, ce carnet, vous savez, de feuilles blanches. Et parce qu'il me pique mes feuilles d'imprimante et ça m'agace. Donc là, j'en ai pris un avec des feutres pour mon fils. Et puis, je me suis repris parce qu'ils sont en promo cette semaine, les petits masques pour les mains. J'ai deux palettes pour vous là et un masque aussi pour vous que j'ai mis de côté dans mon vlog à Paris. Bah, je vous propose de le gagner avec un petit mot bonus. Je vous laisse aller voir ça.
Mais du coup, je vais bientôt sélectionner la gagnante ou le gagnant et puis envoyer le petit lot avec évidemment d'autres choses que je mets de côté toujours pour vous. Et voilà, j'en ai terminé pour mes derniers achats, mes derniers craquages. J'ai pas fait des folies de fou, ça date quand même de, vous avez vu, quasi janvier pour le colis Sephora. Puis après j'ai reçu quelques petites choses, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo haul, je crois. Et évidemment, je suis triste aussi comme vous de ne pas faire un Titchy Vlog aujourd'hui. Mais on verra si ça revient prochainement. En tout cas, ma rentrée, c'est lundi. Et puis, j'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir vous sur quoi vous avez craqué ces derniers temps, si vous avez reçu des petites merveilles. Et je vous retrouve mercredi prochain, je pense, pour une vidéo Chine. J'ai des petites choses à vous montrer et des petites merveilles à vous montrer. Et samedi prochain, on se retrouvera, je pense, pour une vidéo Bullet Planner, conclusion du mois de février. Et peut-être que je vais créer avec vous un bullet planner, ça serait une idée à faire, j'espère pouvoir faire ça. En tout cas, sur ce, je vous abandonne. Je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et puis, je vous fais des gros bisous. Allez, salut !